Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode Papycore s'éclate sur Action Rival. Il est 19h20, nous sommes le vendredi 28 avril 2023. C'est parti donc pour le boss l'araignée Gamma avec 15 casters et un Yuti. Donc on y va, c'est parti, on perd plus de temps. Donc là nous avons mon meilleur caster, c'est une championne avec des dégâts de 186, donc je dépasse pas les 200, ça va être dur. Par contre ils ont des bonnes selles, ils ont réussi donc à faire le singe, Gamma. On a mis 4 minutes 30 pour le faire. Donc là on fait l'araignée qui est un petit peu plus meilleure en armure. Donc la championne, elle a 501 d'attaque avec une vie de 9722 et une armure de 106. Donc on va prendre un autre castor au hasard. Celui-ci, tiens, je vais lui mettre un... Alors lui, il a 10 385 de vie, c'est pas mal. Attaque 404, alors c'est beaucoup moins hein, que 501, donc il y a 100% de moins. Donc c'est pas terrible avec une armure de 102. Voilà, donc là la moyenne à peu près. Donc là, j'ai soif. J'ai mon Yuti comme d'hab. Hein. J'ai pris mon fusil à pompe si ça tourne mal, pour essayer de la finir si jamais... Ça ne va pas. Est-ce que j'ai ce qu'il faut normalement? Oui. Eh ben non. L'araignée, il me manque l'artefact de la sagesse. On va aller la chercher de suite. Artefact sagesse. Ça doit être dans mon coffre-fort. Ah zut pour le chien, zut. Petit bonhomme. 15 ans, ah, quand même. Hein. Quand même. Ah hein. Oh, petit pépère. La semaine dernière, ouais, c'est tout jeune Damien. Là on en est à 34 minutes, donc c'est bon. Ah ouais, ça, dur dur. Alors sagesse, on a dit, il me manque. Hein. Sagesse, ça ressemble à ça. C'est ça, voilà. Et on y va. Ah, faut que je m'occupe de l'iguanodon, on verra plus. Une promenade, allez, tu feras une promenade. Je sais pas si c'est 100%. L'iguanodon, il me semble. Hein. Attends, on va essayer là, enfin, on va le faire. Allez, hop, tu me suis, on fait une petite balade. Tu te fous de moi ou quoi? T'es où? C'est qui il est? Il est où ce tahuri? Bah alors? Allez, suis-moi. Ouais, t'as du mal, hein? Voilà, viens, la sortie, elle est là. Ça y est, non? Non, il l'a pas eu. T'as eu ton truc ou pas, non? Je sais pas s'il a eu son bonus là. Accéder à l'inventaire. Ouais, bonus d'élevage 100%. Bon bah c'est nickel. C'est nickel. On s'en occupe qu'une fois. Purée. Hop, sort de là. C'est bon. Voilà, comme ça il a 100%. Ça, c'est un truc que... Voilà, donc tu restes là et je vais faire l'araignée. Hein, vite fait. Voilà, toujours de l'imprévu. Allez, c'est parti. Banzai, banzai. Alors, 15 castors, un Yuti. Avec des selles entre 86 et 110, je crois. On va mettre donc la sagesse. Et on y va en attaque. C'est parti, on perd pas de temps. Alors, on va bien voir. Hein. Allez, castor. Castoroïde. Sûr, vous êtes tous là, hein, oui. Cool, hein. On va être hors du rond, hein, non, c'est bon, voilà, c'est tout juste. Hein. Allez, on va se péter l'araignée, j'espère. Banzai, banzai. Allez, let's go. Alors, on va voir ce que ça donne. Attaquer la cible. Hop là. Voilà, allez-y mes pépères. Voilà, tous mes castors, là, les 15 castors, ils vont attaquer.
Je pense que l'araignée va passer par-dessus eux et puis ils vont venir m'attaquer. On va voir, pour l'instant ils attaquent. Alors là, on va faire un petit boost. Voilà, impeccable. Alors là, on a des coups de 174. 160, ça dépasse pas les 200. Dur, dur. 174 de coups. Bon, ça va, c'est mini, c'est mimi. La barre à descend tout doux, hein. C'est pas terrible, terrible, mais bon, c'est les castors. Il attaque. Elle se défend quand même, l'araignée. Elle se défend, elle s'en occupe. Des fois, elle s'occupe pas des dinos qui l'attaquent, elle s'occupe de moi et du Yuti. Donc là, ça peut aller. Tranquillou. J'ai pas vu de boule de feu encore. Bon, ça diminue tout doucement, hein. C'est pas la grosse attaque, c'est pas des mantis. Voilà, elle donne des coups de 270, elle, par contre. Bon, ça va, hein. Ils ont 10 000 de vie à peu près, donc mes castors, ça va, ils sont blindés. Ils ont une bonne selle. Bon, ça va, tout doux, hein. Tranquille, tranquille. On en est qu'au quart, hein, avec une minute de... Oh là, ça y est, oh là là. Ah, bah, tu es déjà un castor, alors ça, c'est pas bon, ça. Oh, j'ai déjà une perte. Oh là là, pas globe, ça. Ah. Oh là là, un autre. Ah ouais, alors là je le sens mal. Oh là là, ouais, ça y est, là, ça déménage. Ouais, non, là, je crois que... Aïe. Ah ouais, on est même pas à la moitié. Et là, je commence à avoir des pertes. C'est pas bien. Ouais. Que je la termine moi-même. Puis je risque de perdre mon outil. Allez. Ça dégage le maximum. Ça y est, les pertes, ça y va. Aïe, je suis qu'à la moitié seulement. Ouais, je vais peut-être donner un petit coup de main là pour les petites araignées. On est à la moitié seulement. Un petit peu moins de la moitié. Aïe. Allez, il faut que ça dégage au maximum. J'en prends de la paire. Allez, ça booste. Bien. On y croit, hein, jusqu'au bout, hein. J'ai encore un petit peu de caster là qui font un petit peu bobo là, 174 de dégâts, c'est pas terrible. Faut au moins mettre minimum 200 de dégâts en DPS. Hein. Ah, et puis là les attaques, hein, les ignore pas les castors. Hein. Ouais, il y a de la perte. Oh là. Ouais, tu n'as plus grand chose. Hein. Allez, je vais commencer à attaquer. Est-ce que là, je vais aider mes castors. Allez. Ouais, tu n'as plus grand chose. Ah, ça y est, elle tire ses boules de feu là, elle est énervée. Il me reste un quart. Moi je récupère mes selles de castor parce que c'est hyper cher ça. Voilà, on est en train de me péter mes derniers castors. On y va tout doux. Parce qu'après cette fusil à pompe. Ah, c'est pas le top des tops. J'ai plus de castor là, ça y est. Apparemment. Si, j'en ai encore un peu. Ouais, alors voilà, ça y est, j'en ai plus là. J'en ai plus. Il reste un quart. Faut que je me débrouille. Faut que je me pète toutes les petites araignées là. Ils prennent cher. Allez, on va dégager. On va essayer de dégager. On dégage.
Le UT, il a pris Shiro. Tire des machins là derrière moi. Allez, faut que j'arrive à bouger un peu. Il m'envoie des trucs. Tu peux voler la grosse là. Elle arrive. Dur dur hein. Ouais, j'ai toutes les selles des araignées là. Des castors, je veux dire. Elle est derrière hein, la garce. C'est dégagé tout ça. Se mettre dans la brume. C'est calé, elle est partie, elle est plus là, ça va. On va essayer de gérer ça. Ah, on fait le tour, d'accord. Allez, on m'allume. Allez, allez derrière. Dernier coup. Comment ça, la garce. J'arrive à descendre et attacher la cible. Purée, j'arrive pas à avancer avec ces toiles d'araignée qui me freinent. C'est la galère. Ah non, ça, j'arrête pas. Ah, puis elle est juste derrière. Bon, on va tenter un truc. Hein. Derrière les gars. Ah, balancer boule de feu. Faudrait pas que je prenne des. Allez, on va dégager là. Donne-moi ça, ils sont tous derrière. Hein. Allez, je dégage vite fait, vite, 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 cours, cours, cours. Oh là là, ouais, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas la peine. Eh ben. Pas assez puissant, mes castors. Manquait un peu de vie, un peu d'attaque. Ouais, non, c'était pas le top, là, les castors, non. Poglop, poglop, Nico Clash. Hein. Salut, Maison 13. Ouais, les selles, ouais, tu m'étonnes. Là, ça fait bobo, là. Ouais, là ça pique un peu là. Et bon. Mais bon. Bah, je vais essayer de faire autrement, hein, d'avoir des meilleurs castors. 15 castors, j'aurais peut-être dû en mettre 4 de plus, peut-être que il restait un quart de vie. J'ai pas eu le temps de. Pourquoi je réapparais là moi? C'est que je suis là. N'importe quoi. Pourquoi je suis là moi? Ouais, j'ai même pas eu le temps de tirer quoi que ce soit. Ouais, le mythique, ouais. Ouais, là, 15 seuls mythiques de castor, ça fait bobo, ouais. Mais bon, bah c'est comme ça, écoute, là, c'est le jeu. Hein. On va récupérer là, voilà. Bon bah c'est loupé, hein. On peut pas gagner à tous les coups. Hein.
En plus, mon Yuti, ma selle mythique de Yuti. Bon, j'en ai d'autres, mais bon. On va refaire tout ça. Alors, les iguanodons, laisse tomber pour l'araignée. Hein. Waouh. Il met des coups de 111 pour l'instant avec une attaque de 486. Bon. Bon, bah voilà. Hein. Envie qui, moi. Oh, j'ai pas grand chose. J'ai que 180, moi, envie. Hein. 180 en vie, j'ai même pas eu le temps de descendre de mon Yuti et prendre le fusil à pompe pour y en mettre dans la chaudron. Non. Non, ils sont pas assez puissants les castors. Hein. Après, si j'en aurais mis 4 de plus, les 19 plus le Yuti, ça fait les 20 dinos. Est-ce que. Je sais pas. Il restait un petit quart seulement. Hein. Bon, ils avaient des bonnes selles hein, de 86 à 113. Ah, il faut des selles de 100 minimum. Et il faudrait du 200 DPS. Hein. C'est pas assez. Bon, j'ai d'autres reproducteurs en castor. Donc je vais refaire une armée de castors. Hein, plutôt. Allez, hop. Ça, c'est des iguanodons. Pourquoi tout est allumé comme ça? Il y a un problème, là. C'est les mangeoires qui font ça. Alors, je sais pas s'ils sont là, mes castors, non. Parce que j'ai quand même mis de côté les reproducteurs, évidemment. Hein. Ah, ça doit être ceux-là. Voilà, c'est ça. Chatonne, Carole, Claire, Carotte, Cyril, ça c'est le mâle. Il me sort du 3420 de vie et 281 d'attaque. Bon. J'ai pas mieux. Bon, on va essayer d'avoir mieux. Voilà. Donc il a son harem. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 femelles. 5 femelles, un mâle. Bon, on va récupérer ça. Hein. Voilà. Plus de vie sur moi, ouais. Ouais, mais j'évite de prendre des amnésies parce que après faut que je retourne sur extinction pour débloquer les schémas, les engrammes et tout, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Un griffon 150, ouais, génial. Ouais. Avec un piège, ouais, c'est ça, ouais. Super. Ouais. Alors maison 13 me dit faudrait un peu plus de vie sur les castors. Ouais, ouais, un petit peu plus de vie et peut-être meilleures armures hein, de sel parce que j'ai des sels, je dois en avoir 3-4 qui avaient des sels de moins de 100. Donc il faudra que j'essaye d'avoir d'améliorer ces sels là et un peu plus de vie. Je pense que 500 vies chacun, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, on va voir ça. Bon, bah, je vais vous laisser là. Hein. Je vais me repréparer. Hein. On verra bien. Hein. Bah, je vous souhaite un bon week-end si on se voit pas demain soir. Peut-être à demain soir, peut-être à dimanche soir, peut-être lundi, je sais pas. On verra. Hein. Tout dépendra de ce que j'ai à faire. Et bah, je vous souhaite un bon week-end. Bonne soirée à vous tous. Hein. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je ferai mieux la prochaine fois mes castors pour l'araignée. Allez, ciao, ciao, bye bye à tous, hein, merci. Hein. Bonne soirée, hein. Ciao, ciao.